Une œuvre qui est vraiment libre d'interprétation. D'accord. Alors tout le monde peut y voir ce que tu veux. D'accord. Voilà. Ben, attends, pour ça, hein. Est-ce que vous voulez que je fais partie de l'opération? Est-ce que vous voulez que je vous fasse une petite présentation de l'œuvre? Oui. Alors en fait, c'est un bronze qui a été réalisé par l'artiste allemand Jonathan Mies en 2005 et il y a deux interprétations principales quant à l'œuvre. La première, c'est l'idée d'un guerrier de l'art. Parce qu'en fait, l'artiste a une vision dictatoriale de l'art et l'envisage comme un régime politique autoritaire à part entière. C'est pour ça que donc on voit bien la violence de cette idée de régime autoritaire par les coups qui sortent un peu partout, les formes prudentes, la gueule monstrueuse. On a aussi des mécanismes courants un peu régime autoritaire, comme par exemple la traction dans l'œil ou la jetification des côtés.
donc la présence de ces symboles qui sont associés aux objets de magie. Pense que ces symboles appartenaient à la nature avant l'homme et que l'homme s'est approprié et leur a donné une symbolique négative. Donc en fait, en les recouvrant, ils cherchent à réhabiliter ces symboles. Ça, c'est la première hypothèse, l'idée d'un bien et de l'art. La seconde hypothèse, c'est l'œuvre s'appelle le Maman de Lui, donc la mère de l'artiste. En fait, c'est pas que sa mère qui l'a vu, c'est l'énergie qui a vu, c'est la mère qui a tous les êtres humains qui viennent de l'art. Ну, видимо, там сорняки будут всякие расти. Try to answer who can sew the wind. Yeah. Okay. I-
No. I think it's an international program.
Damien. Ναι, φως, μέσα πάντα πολύ να κοιτάξω. Comme ça, il dit. Des interventions dans la rue où elle collait des affiches de manière clandestine, où elle reprenait des Thank you.
Sur le cercle, le fait que il y a toujours que les crises migratoires, c'est un phénomène intemporel et universel qui marche sous forme de cycle et qui est toujours en train de recommencer, comme l'œuvre. Et il a fait le bac. Vous voulez vous faire des petites appels à part. Ouais, des appels à part. D'accord. Vous voulez vous faire des appels à part. Je pensais que c'était une bagarre.
Do you want some? Here is for the garden. Alors c'est une œuvre de Carlos Cruz Diaz, que vous avez juste ici, qui est un artiste franco-vénézuélien qui travaille beaucoup sur la couleur et les effets de lumière et qui va chercher à faire de le spectateur une sorte de grand miroitement et de reflet de couleur pour complètement perturber son environnement. Et vous voyez les reflets juste ici. Donc ça marche énormément avec le soleil évidemment, car en tant que pluie évidemment, l'effet moindre, mais après il faut vraiment se promener et bien analyser son paysage à travers la verrière. Le plus intéressant c'est quand on est à l'intérieur. Je ne peux pas l'aider avec toi.